il faut aujourd'hui placer le savoir, qui est l'objet de l'école, au-dessus des pressions politiques. Or, on a bien compris que certains surfent sur un contexte particulier, et c'est là le danger. Alors peut-être que c'est le moment d'introduire un texte de loi pour demander justement que la grève soit interdite au niveau de l'éducation nationale. Parce que nous avons un calendrier. L'élève a un calendrier. Pour se mobiliser, il lui faut du temps. Donc il rentre en septembre, en juin, il passe ses examens pour ceux qui doivent passer les examens nationaux. Donc nous avons l'obligation de respecter ce calendrier et d'avoir une éthique de la responsabilité. Parce que ceux qui enclenchent les grèves et qui sont mises à disposition, eux gardent leur salaire avec leur prime de rendement, ce qui n'est pas le cas des autres fonctionnaires.